Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mardi le 12e d'avril de cette année 2022. Pour le jour d'aujourd'hui, mardi comme presque tous les mardis, c'est le jour pour la conférence de presse réalisée par l'administration du gouverneur fiscal dans l'État de Vermont des États-Unis. Pour le jour d'aujourd'hui, on va commencer par toucher à quelques points nécessaires concernant l'étendue du virus qu'on a dans la nation des États-Unis en général maintenant aussi bien que dans l'État de Vermont des États-Unis. D'après les membres, d'après les parents de Dr. Levin, un membre de l'administration du gouverneur fiscal, il a dit que c'est la nouvelle version BA.2 développée de la version Omicron de virus corona dans la nation des États-Unis maintenant. On peut dire que quand on réfléchit sur cette matière, d'après les paroles du Dr. Levin, l'État de Vermont des États-Unis a récemment vu une augmentation jusqu'à 29% pour le taux de croissance concernant les nouveaux cas de virus corona durant la semaine passée. Comme on réfléchit sur le taux d'hospitalisation en général dans l'État de Vermont des États-Unis durant la semaine passée, on peut dire qu'il s'est élevé, mais il n'est pas si grave à tel point qu'on doit s'inquiéter de cette matière en ce moment. En parlant des résidents de l'État de Vermont des États-Unis qui ont été admis à l'hôpital durant la semaine passée à cause du virus corona, on peut dire que environ 40%. D'ailleurs, Dr. Levin nous met au courant d'un nombre concernant la mort des résidents de l'État de Vermont des États-Unis à cause du virus corona durant ce mois d'avril de cette année 2022, deux cas de virus corona aboutissant à la mort.